Et en ce moment, j'arrête pas de le regarder, je kiffe. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. En fait, c'est pas vraiment les conneries que j'ai achetées, c'est à quel point j'ai été stupide de les avoir achetées et à quel point je n'ai pas réfléchi. Et pas forcément des bons souvenirs. Bon, la vie continue, je vais bien, je bois de l'eau. Tout va bien quand même. J'avais déjà fait cette vidéo au début de ma chaîne, enfin le début de ma chaîne. Elle devait être dans les 10 premières de ma chaîne, je pense même. Je vous avais montré ces deux bonnets de chez Asos, je les ai toujours, ça fait presque un an, je les ai toujours. J'arrive pas à m'en débarrasser, j'arrive pas à les vendre. Le problème c'est que quand je propose le prix, les gens ils y croient pas trop parce qu'ils se disent que j'essaie de les arnaquer, il y a une quelque part. En fait les bonnets sont de très bonne qualité, c'est juste que comme je les ai pas payés, on les a pas vraiment offert, mais on les a envoyés en double, donc je les ai pas payés, donc j'arrive pas à me dire dans ma tête que je vais faire payer un gros prix alors que je les ai eu gratos. Ça c'est le moment où je me fais passer pour un gavi. Hein. Non en vrai les bonnets ils sont archi bien, d'ailleurs je les porte quand, enfin, quand c'est l'hiver. C'est pas comme si genre ils allaient se déchirer, c'est de la bonne qualité, enfin ça sert à rien de les avoir en double. Donc j'ai un peu le seum, ils sont toujours dans leur sachet. Mais bon, va falloir que je me débrouille pour les vendre à quelqu'un. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai vraiment, mais vraiment le seum de vous montrer, c'est ce bomber. Un de mes bombers légers que je vous avais montré dans ma troisième vidéo, ça je m'en souviens. Je me suis rendu compte trop tard que je l'aimais pas forcément. En fait, je pense qu'il sera vraiment top si un jour je suis musclé parce que le truc est archi fluide. Genre, il a aucune forme, c'est pas l'effet bombé d'un bomber. Sinon, le motif en soi, j'aime bien, mais en gros, il y a des petits trous qui sont assez. Ils ont rien à faire là quoi. Ça sert à rien, clairement je veux porter ça en été. Et justement parlant d'été, ça c'est un bomber qui est assez léger donc je peux pas le porter en hiver. Et la couleur est plutôt sombre donc j'ose pas trop le porter en été non plus. Je sais pas si vous voyez le délire. À moins que je mette des couches de vêtements en dessous, je peux pas trop le porter celui-là. La couleur est trop terne pour l'été et il est trop léger pour l'hiver donc c'est un peu tendu. Pourtant quand je l'avais eu, je me disais oh il est trop beau, je vais pouvoir faire plein de tenues avec. D'ailleurs je vous avais montré pas mal de tenues avec, j'étais content et tout, mais là ils sont trop difficiles à associer. C'est quelque chose que je regrette d'avoir acheté parce que au final j'en avais pas forcément besoin. Ça me fait une veste à motif, mais au final j'en avais pas forcément besoin, pas maintenant en fait on va dire. Parce que si un jour je suis musclé, ça je le porterai souvent. Parce que ça doit faire des beaux bras et tout, parce que comme ça moule bien comme il faut. Et bon comme je suis comme ça pour l'instant c'est pas ouf. Non mais ça par contre, alors là, j'ai regretté dès que je l'ai acheté mais j'avais trop la flemme de le renvoyer. Je vous explique comment j'ai eu ce sweat. De base j'avais vu une tenue archi stylée sur Instagram, une tenue qui était full black. Un bomber noir, un sweat à capuche noire, un bas noir, des chaussures blanches et ça rendait grave bien. Je voulais reproduire cette tenue mais j'avais pas de sweat à capuche noire donc je me suis dit je vais aller chez H&M. J'ai pris le premier sweat à capuche sur lequel je suis tombé, je l'ai testé et je me suis dit qu'il m'allait pas forcément. Et je voulais absolument faire ma tenue. Ça c'est un de mes plus gros défauts, j'en suis conscient, il va falloir que je m'améliore dessus parce que c'est pas possible, je me supporte plus. Je savais qu'il était trop fin pour moi parce qu'il a pas l'effet bouffant que j'aime bien, c'est les sweats à capuche d'habitude, mais bon je l'ai quand même pris parce que j'ai regretté direct. Ça aussi c'est un truc que tu peux mettre quand t'es musclé, ça rend bien quand t'es musclé. Ça met bien les muscles en valeur et tout, mais bon, mate un peu le body de l'instant. C'est pas vraiment ça. Va falloir un peu attendre, hein. Va d'abord taper à la salle, après on verra. En plus, les longs cordons blancs là, avec un bout effiloché, je trouve ça particulièrement laid. J'étais impatient, je m'en veux, et voilà. Y'a que voilà à dire, j'ai honte. Bah, ça. En soi, le pull est beau. Je suis fier du motif. En plus, c'est des rayures qui sont plutôt rapprochées. Je voulais pas des grosses rayures. En gros, ce pull, je l'aime bien, mais c'est juste la matière qui est catastrophique. À l'époque, je faisais pas vraiment attention aux matières et je voulais absolument une marinière. Donc, je suis tombé sur ma cabode. Pas plus de la composition, mais c'était au moins 70% d'acrylique. Ce qui fait que j'ai énormément chaud avec ça. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps avec ce sweat. J'ai transpiré comme un bœuf. Je sais pas si ça se voyait, mais j'avais trop chaud. Du coup, je peux pas trop le porter. Je peux que le porter en hiver. Et encore en hiver, le problème, c'est que j'ose pas mettre de t-shirt en dessous parce que si je mets un t-shirt en dessous, en fait, c'est un col rond comme ça. Et après, on voit la bordure du t-shirt qui dépasse donc c'est pas beau, donc j'aime pas. Du coup je mets pratiquement jamais de t-shirt en dessous. Après c'est en contact direct avec ma peau et après j'ai trop chaud. Enfin c'est ça qui me donne trop chaud. Donc ça je le porte vraiment pour certaines tenues. Je le mets parfois pour les vidéos parce qu'on voit pas trop que je transpire, ça passe. Mais sinon je le mets pas dehors. Clairement je le mets pas dehors. Il va falloir que je m'achète un autre truc à marinière qui ressemble à ça, mais qui a une bonne matière, parce que ça c'est vraiment pas possible, c'est archi lourd. Non mais ça j'ai vraiment trop honte de vous le montrer. Par contre ça c'est mon bomber Gob de Nîmes beige. La matière est bien. Je crois que c'est du nylon. La matière est bien. Déjà 12 minutes. En soi, la matière est bien. Mais le problème, c'est que. Bon, déjà, j'aime bien l'effet bouffant, bombé du bomber. Et ça, c'est pas trop ça. Et bon, j'avais fait un passe dessus, comme j'ai fait pour mon bomber rouge, qui est aussi de la marque Gob de Nîmes. Mais ça, le problème, c'est la couleur. La couleur est vraiment top. Mais pas pour une veste de bomber. En hiver et en automne, je mets plutôt des couleurs assez sombres. Genre, les couleurs les plus pétantes que je mets, c'est le bordeaux, kaki, camel, les trucs comme ça. Et pas un gros beige comme ça. Du coup, je trouve pas vraiment de moment pour le mettre. Et ça me saoule. Il y a peut-être certains qui vont dire que je me prends trop la tête, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Il est beau, hein, la couleur est belle, rien à dire, mais bon. Il aurait été en veste en jean, j'aurais pu le porter beaucoup plus souvent. Je l'aurais porté souvent au printemps, en été, même limite. Une veste en jean en été, ça passe aussi quand il fait pas trop chaud. Mais là, c'est vraiment trop tendu de le porter. Donc, tout le temps sur mon portant, c'est dommage. Heureusement, c'est une petite liste de vêtements que je vous ai montré. Mais bon, je regrette quand même d'avoir des vêtements
que je peux vous montrer dans ce genre de vidéo, parce que normalement je fais plus attention à ce que j'achète. Je sais pas ce que je vais faire de ces vêtements, je sais vraiment pas. Si vous avez des idées pour m'aider à m'en débarrasser, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ça me fera plaisir. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram comme d'habitude, hein. Enfin je vous le mets, je vous l'afficherai quelque part de toute façon pendant toute la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme d'habitude mercredi prochain, 18h. Là j'essaie d'être de plus en plus régulier, j'essaie de sortir une vidéo tous les mercredis. Je suis content, c'est les vacances donc il n'y a pas trop de soucis. J'en filme toutes les semaines ou deux par semaine, comme ça j'ai le temps de monter. Nanana. Donc à mercredi prochain à 18h, portez-vous bien. Tchuss.